These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. In a good restaurant, Robert notices a young couple at a nearby table. She is blonde, and Robert thinks she may be Mireille, but he can't tell. The chef has named several dishes after an old girlfriend of his, another Mireille, who died of indigestion. Touching. C'est dimanche. Robert n'a rien à faire. Il se promène. Il y a des gens qui vont à l'église ou au temple. Et tout le monde achète des gâteaux dans les pâtisseries. Robert s'arrête devant une pâtisserie, admire la vitrine et se décide à entrer. Bonjour madame. Monsieur, vous désirez ? C'est quoi ça? Des choux à la crème. Et ça? Des éclairs au café ou au chocolat. Et ça? Des tartes au citron, monsieur. Des religieuses, également au café ou au chocolat. Je vais prendre une religieuse. Oui? Au café ou au chocolat? Au café. C'est pour emporter? Non, c'est pour manger tout de suite. Voilà, monsieur, ça fera 10 francs. Merci. Au revoir, monsieur. Robert continue sa promenade. Il entre dans un restaurant. Bonjour monsieur. Un couvert? S'il vous plaît. Pas laissé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Le vin. Merci, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Robert consulte le menu. Le martini, c'est pour madame. Et le pernod, c'est pour monsieur. Quand il lève les yeux, il aperçoit à une table voisine une jeune femme blonde qui déjeune avec un jeune homme. Robert se demande si ce n'est pas Mireille. Vous nous apporterez la carte des vins, s'il vous plaît. Oui, monsieur, tout de suite. Alors, chérie, qu'est-ce qui te tente? Bon, je ne sais pas. Quelque chose de léger, j'ai pas très faim. Qu'est-ce qu'ils ont comme plat du jour? Le cassoulet toulousain, ça doit être bon. Oh là là, non, alors c'est trop lourd. Qu'est-ce que tu vas apprendre, toi? La choucroute garnie me tente, mais je ne la digère pas très bien. Ah oui? Papa dit que c'est très facile à digérer, la choucroute. La choucroute peut-être, mais la graisse doit le lard fumer. Les saucisses et le jambon, c'est une autre histoire. Non mais dis donc, regarde ce qu'ils ont comme canard. Alors, canard aux olives, canard à l'orange, aiguillette de canard aux cerises, magret de canard. Sans compter le foie gras de canard dans les hors-d'œuvre. Bon, il faudrait quand même se décider. Alors, qu'est-ce que tu prends? Bon, je ne sais pas. Je crois que je vais juste prendre une petite omelette aux fines herbes. Je te connais. Tu vas manger une omelette et dans 2 heures, tu mourras de faim. C'était comme ça l'année dernière, quand tu suivais ton régime. Dis, tu as vu? Des œufs à la Mireille. Où ça? Là, dans les hors-d'œuvre. Vous avez choisi? Qu'est-ce que c'est, les œufs à la Mireille? Ce sont des œufs durs farcis. Les jaunes sont mélangés avec une purée de thon aux tomates, avec un filet d'anchois, une olive noire et des capres sur le dessus. Ouh, les anchois, c'est trop salé. Oh, il y a aussi un poulet sauté Mireille et des abricots Mireille dans les desserts. Pourquoi avez-vous tous ces plats qui s'appellent Mireille? Ah, ça, monsieur, c'est toute une histoire.
une histoire bien triste. Notre chef avait dans sa jeunesse une petite amie qui s'appelait Mireille et qui est morte d'une indigestion de crevettes roses. Il est inconsolable et il dédie à sa mémoire toutes ses plus brillantes créations culinaires. C'est très touchant. Et c'est comment ce poulet Mireille ? Sauté avec des aubergines et des tomates. On fait sauter les morceaux de poulet dans l'huile très chaude, puis on garnit de tranches d'aubergines frites et de tomates sautées. Bon, eh bien moi, je crois que je vais prendre une petite grillade, une entrecôte. Et pour moi, ce sera un steak au poivre. Et comme cuisson pour la grillade ? Pour moi, à point, s'il vous plaît. Et pour moi, bleu. Et pour commencer ? Pour moi, une assiette de saumon cru. Vous n'avez pas d'escargot ? Ah non, monsieur, je regrette. Dommage. Eh bien, je vais prendre une douzaine d'huîtres. Et vous nous porterez une bouteille de muscadet et une demi de moulin à vent. Et une demi-bouteille d'eau minérale, de la Badoit. Merci. Le saumon, c'est pour madame. Merci. Et les huîtres, c'est pour monsieur. Merci. Voilà. Merci. Bon appétit. Mais non, voyons, Robert, ce n'est pas Mireille. D'ailleurs, elle parle du nez comme si elle avait un rhume. Bon appétit. Merci. Mireille ne parle pas comme ça. On continue. L'entrecôte. Madame. Pour moi. Le steak au poivre. Merci. Ça va, ton entrecôte, elle est à point ? Oui, très bien. Et toi ? Il est bleu, ton steak ? Ah oui. Pour une fois, il est vraiment bleu. Vous prenez du fromage. Qu'est-ce que vous avez ? Camembert, Roquefort, Pont-l'Évêque, Cantal, Saint-André, Brie, Chavignol. Ça aussi, c'est un chèvre. Bon, ben, je prendrai un peu de Brie. Et pour monsieur ? Merci. Et pour moi, un peu de chèvre, s'il vous plaît. De celui-là, oui. Vous désirez un dessert ? Oh non, pas de dessert pour moi. Je n'ai plus faim. Voyons ce que vous avez. Bavarois, tarte aux framboises, œufs à la neige, charlotte aux poires, mousse au chocolat et les sorbets et la coupe Privas. Qu'est-ce que c'est, votre coupe Privas ? Ce sont des marrons glacés avec du cognac, de la glace à la vanille et de la crème fraîche par-dessus. Bon, je prendrai ça. Et en avant les calories. Heureusement que tu n'avais pas faim. Pour moi, ce sera un sorbet. Poire, framboise, fruit de la passion. Framboise. Et vous nous porterez deux express et l'addition. Tu vois bien, Robert, que ce n'est pas Mireille. C'est dimanche. Le dimanche, les catholiques vont à l'église et les protestants vont au temple. Et tout le monde va à la pâtisserie pour acheter des gâteaux. Toutes sortes de gâteaux. Voyons, les choux à la crème, c'est des gâteaux. Les éclairs, c'est des gâteaux. Les religieuses. Et puis, il y a les tartes. Voilà, des tartes aux abricots, aux quetsch, des tartes aux pommes, des tartes au citron. Il y a des tas de gâteaux différents. Et les gâteaux, vous aimez ça ? Ah oui, j'aime beaucoup les gâteaux. Est-ce que vous pouvez donner quelques noms de gâteaux qu'on trouve dans les pâtisseries ? Des millefeuilles, des religieuses, des babas au rhum. Voilà une religieuse. Mais c'est aussi un gâteau. Robert achète une religieuse parce que c'est dimanche, sans doute. Ici, Mireille achète un journal. Tu te souviens, je t'avais acheté ça pour un anniversaire ? Ah oui, ouais, je me souviens. Ici, Robert achète un guide des restaurants. Et ici, Robert achète un croque-monsieur.
Regardez, ici, on va acheter quelque chose pour goûter parce que le petit garçon a faim. C'est le verbe acheter. Ouais, il est 4h30. Mais qu'est-ce qu'il a à répéter qu'il est 4h30, lui? Il dit ça parce qu'il a faim et qu'on n'a pas goûté. Et si on achetait un truc? Bonne idée! Tu donneras ça à Eric pour son anniversaire, comme ça il pourra s'acheter ce qu'il voudra. Robert entre dans un restaurant. Il remarque un couple avec une jeune femme blonde et il pense à Mireille. Mais ce n'est pas Mireille. En fait, c'est la sœur de Mireille, Cécile, et son mari Jean-Denis. Ils prennent des apéritifs. La dame prend un martini et le monsieur un pernod. Puis il regarde la carte. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Bon, d'abord des hors-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a comme hors-d'œuvre? De la charcuterie, des crevettes grises ou roses, du foie gras de canard, du foie gras d'oie. Ah, et puis il y a aussi des œufs Mireille. Vous connaissez les œufs Mireille? Non? Voilà. Vous prenez des œufs, un œuf, des œufs. Mais vous prenez des œufs durs. Vous prenez les jaunes. Vous prenez du thon en conserve. Voilà du thon frais. Mais vous prenez du thon en conserve. Alors vous mélangez le thon avec la purée de tomate. Vous prenez les blancs et vous les farcissez avec la purée de thon et de jaune d'œuf. Vous prenez une boîte d'anchois, des olives noires, vous mettez un filet d'anchois sur l'œuf farci, et voilà. Ça vous tente? Oh, c'est bon. Voyons, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a peut-être des escargots? Des escargots. Voilà, un escargot, des escargots. Vous n'avez pas d'escargots? Ah non, monsieur, je regrette. Il n'y a pas d'escargots, mais il y a des huîtres. Voilà, des huîtres. Et puis, il y a du saumon cru. Du saumon, c'est un poisson. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Les poissons, les volailles, les viandes. Ah, il y a du canard. Toutes sortes de canards. Du canard aux olives, du canard à l'orange, du canard aux pruneaux et aux pêches, des aiguillettes de canard, du magret de canard. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voyons. Il y a du cassoulet toulousain. Une spécialité de la région de Toulouse. C'est un plat de haricots, des haricots blancs, avec de la saucisse et du confit d'oie. Est-ce que c'est léger, le cassoulet? Justement, ce n'est pas très léger, je n'aime pas le cassoulet. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, il y a de la choucroute garnie. C'est fait avec de la choucroute garnie, avec du lard, du jambon, des saucisses, de la saucisse. Ça, c'est de la saucisse fraîche. Et ça, ce sont des jambons et des saucisses sèches. Vous vous rappelez, six saucisses sèches? Voyons, qu'est-ce qu'il y a encore? Tiens, il y a du poulet Mireille. Oui, du poulet Mireille. Mais oui, ça existe, le poulet Mireille. Vous ne connaissez pas? Non? Vous allez voir. Vous prenez du poulet coupé en morceaux. Vous prenez de l'huile et vous faites sauter les morceaux de poulet dans l'huile très chaude. Vous prenez des aubergines, vous coupez les aubergines en tranches et vous faites frire les tranches d'aubergines dans l'huile très chaude. Puis vous prenez des tomates et vous faites sauter les tomates dans l'huile très chaude. Et voilà. Cécile ne veut pas de poulet Mireille. Elle ne veut pas de choucroute, elle ne veut pas de cassoulet non plus parce que c'est trop lourd. Ce n'est pas facile à digérer. Ce n'est pas facile à digérer, c'est lourd. Tenez, regardez, c'est lourd. Ça, ce n'est pas lourd, c'est léger. Léger, lourd, c'est lourd. Tenez, regardez, il est lourd. Oh, que tu es lourd. Cécile ne veut pas de choucroute parce que c'est lourd. Elle veut quelque chose de léger, comme une petite omelette. Une petite omelette aux fines herbes. Voilà, des fines herbes pour parfumer l'omelette. L'année dernière, Cécile suivait un régime. Elle mangeait peu. Elle buvait de l'eau minérale pour rester mince. Surveillez votre régime. Finalement, Cécile et Jean-Denis prennent des grillades. Ça, c'est un poisson grillé. Des rougets grillés. Des sardines grillées. Une saucisse grillée. Ça, c'est une grillade. De la viande grillée.
Les grillades, c'est très régime. Je crois que je vais prendre une petite grillade. Une entrecôte. Une entrecôte, c'est du bœuf. Et comme cuisson pour la grillade? Vous avez le choix entre à point, saignant ou bleu. À point, s'il vous plaît. Et pour moi, bleu. Il est bleu, ton steak? Ah oui. Pour une fois, il est vraiment bleu. Pour une fois, il est vraiment bleu. C'est exceptionnel. Parce qu'en général, quand on commande un steak bleu, il est toujours trop cuit. Pour une fois, par exception, par extraordinaire, en général, c'est Mireille qui a raison. Mais pour une fois, c'est Marie-Laure. Et 8 fois 8 ? 8 fois 8, 64. Non, 72. 72 ? Mais non, que je suis bête, 64. C'est toi qui as raison. Pour une fois, j'ai raison. Ça n'arrive pas souvent. Maintenant, vous allez parler français. Vous êtes au restaurant, vous êtes Cécile, vous allez commander une grillade et, pour commencer, une assiette de saumon cru. Vous avez choisi? Je crois que je vais prendre une petite grillade, une entrecôte. Je crois que je vais prendre une petite grillade, une entrecôte. Je crois que je vais prendre une petite grillade, une entrecôte. Et comme cuisson? À point, s'il vous plaît. À point, s'il vous plaît. À point, s'il vous plaît. Et pour commencer? L'assiette de saumon cru. L'assiette de saumon cru. L'assiette de saumon cru. Le garçon apporte le plateau de fromage. Il y a du camembert, du Cantal, du Saint-André, du Brie. Tout ça, ce sont des vaches, des fromages de vaches. Il y a aussi des chèvres, des fromages de chèvres, toutes sortes de chèvres, des crottins, du Valençay. Tout ça, ce sont des fromages de chèvres. Et puis, il y a aussi du Roquefort. Ça, c'est du fromage de brebis. Voilà des brebis. Après le fromage, le dessert. Vous désirez un dessert? Oh non, pas de dessert pour moi, je n'ai plus faim. Voyons ce que vous avez. Il y a un bavarois, une tarte aux framboises, des œufs à la neige, de la charlotte aux poires, de la mousse au chocolat, des sorbets, sorbets aux framboises, voilà des framboises, sorbets à la poire, voilà des poires, une poire, sorbets aux fruits de la passion, voilà des fruits de la passion. Et puis, il y a la coupe Privat. Vous connaissez la coupe Privat? Regardez. Vous prenez des marrons glacés, vous les mettez dans une coupe, vous prenez du cognac, vous le versez sur les marrons glacés, vous prenez de la glace à la vanille, et vous mettez la glace sur les marrons. Puis, vous prenez de la crème fraîche, voilà, et vous versez par-dessus. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas très léger. C'est plein de calories. Bon, je prendrai ça. Et en avant les calories. Heureusement que tu n'avais pas faim. Et en avant les calories. En avant. En avant. En avant. Heureusement que tu n'avais pas faim. Jean-Denis se moque de Cécile. Elle a dit qu'elle n'avait pas faim, mais elle a l'air d'avoir très faim. Tenez, regardez Marie-Laure ici. Elle dit qu'elle n'aime pas la mousse au chocolat, mais elle la mange toute. Alors, elle est bonne, ma mousse au chocolat? Ouais, mais de toute façon, moi, tu sais, je n'aime pas tellement la mousse au chocolat. Ah bon? Eh ben, dis donc, c'est tout ce qui reste. Heureusement que tu n'aimes pas tellement la mousse au chocolat. Dans ce restaurant, il y a des œufs Mireille, du poulet Mireille, etc. Et il y a aussi un dessert qui s'appelle Mireille. Des abricots Mireille. C'est un dessert qui est fait avec des abricots. Il y a des œufs à la Mireille, du poulet sauté Mireille, des abricots Mireille. Jean-Denis se demande pourquoi. Alors, il demande au garçon. Pourquoi avez-vous tous ces plats qui s'appellent Mireille? Ah, ça, monsieur, c'est toute une histoire. Une histoire bien triste. Ce n'est pas une histoire gaie, c'est une histoire triste.
Regardez Marie-Laure ici, elle est triste. Ici, elle n'est pas triste, elle est gaie. Et Charlotte ici, elle était triste. Mais écoute Charlotte, nous on ne veut pas te voir triste. Regardez Jean-Claude ici, il est gai. Mais ici, il est triste. Eh bien, l'histoire de tous ces plats qui s'appellent Mireille, c'est une histoire triste. Le chef, le cuisinier, avait une petite amie qui s'appelait Mireille. Et cette petite amie est morte. Elle est morte d'une indigestion de crevettes roses. Elle adorait les crevettes roses. Alors elle a mangé trop de crevettes roses et elle est morte. Le chef a été très triste et il ne s'est jamais consolé. Il est resté inconsolable. Regardez Jean-Claude ici. Il est inconsolable. Et regardez Marie-Laure. Elle est triste. Mais ici, elle n'est plus triste. Elle est consolée. Elle s'est consolée. Mais le chef, lui, ne s'est jamais consolé. Il pensait toujours à sa petite amie morte. Et chaque fois qu'il inventait un nouveau plat, il l'appelait Mireille, pour honorer la mémoire de sa petite amie défunte. N'est-ce pas que c'est triste? C'est très touchant, non? C'est très touchant. Bon, maintenant, observez ceci. Marie-Laure porte son bateau. Elle le porte, c'est le verbe porter. Maintenant, observez. Elle va apporter son bateau à son père. Apporte-moi ton bateau, je vais te l'arranger. C'est le verbe apporter. Maintenant, regardez. Elle va emporter son bateau. Emporte ton bateau. Tu ne vas pas le laisser là. C'est le verbe emporter. Porter, apporter, emporter. Regardez Marie-Laure. Elle porte quelque chose. Ici, le garçon apporte une fourchette à tante Georgette. Apportez-moi une fourchette propre. Vous m'apporterez un autre couteau. Ici, le garçon emporte le verre. Écoutez bien ce que dit la vendeuse. C'est pour emporter? Non, c'est pour manger tout de suite. Ici, le garçon apporte le vin à Cécile et Jean-Denis. Ici, il apporte le plateau de fromage. Maintenant, observez Robert. Il prend le fromage. Et maintenant, il prend du fromage. Le fromage, du fromage. Maintenant, observez ce que Jean-Denis va dire. Je te connais. Tu vas manger une omelette et dans 2 heures, tu mourras de faim. Ah, je te connais. Jean-Denis se moque un peu de Cécile. Je te connais. Observez ce que Marie-Laure va dire ici. Tiens, passe-moi la boîte de bonbons. Ils sont à moi, ces bonbons. Allez, donne, je n'en prendrai qu'un, je te promets. Ouais, je te connais. Tu dis que t'en prendras qu'un et puis tu les mangeras tous. À la fin du repas, Jean-Denis demande 2 express et l'addition. Et vous nous porterez 2 express et l'addition. 2 express. 1 express et l'addition. Et voilà, c'est fini. Ah, non! Nous avons oublié de parler des vins. Oh là 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 là, ça va pas du tout ça. Il faut parler des vins. Bon, alors Jean-Denis a consulté la carte des vins et il commande 1 bouteille de muscadet. Il commande aussi 1/2 bouteille de moulin à vent. 1 bouteille, 1/2 bouteille. Il commande aussi 1/2 bouteille d'eau minérale. Les Français boivent beaucoup d'eau minérale pour éliminer. Il faut que j'élimine. Surveillez votre régime et confiance à Contrex. Maintenant, écoutez, observez, réfléchissez et répondez. Qu'est-ce qu'on achète dans une pâtisserie? Du pain ou des gâteaux? Des gâteaux. Regardez bien. Ça, ce sont des crevettes ou du foie gras? Ce sont des crevettes. Attention. Ça, c'est assez difficile. C'est un canard ou une oie? Un canard. Et ça, ce sont des huîtres ou des escargots? Des huîtres. Ça, c'est lourd ou c'est léger? C'est lourd. Qu'est-ce qu'elle suit? Un cours ou un régime? Un régime. Ça, c'est un hors-d'œuvre ou un dessert?
un dessert. Regardez Marie-Laure ici. Est-ce qu'elle est triste ou est-ce qu'elle est gaie? Elle est triste. Regardez Robert. Qu'est-ce qu'il prend? Le fromage ou du fromage? Le fromage. Et ici, qu'est-ce qu'il prend? Du fromage. Qu'est-ce qu'on demande à la fin du repas? Et vous nous porterez deux express et l'addition. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur Guignol? Alors, pour commencer, des crevettes roses, des œufs mireilles, une douzaine d'escargots, une assiette de saumon cru, et puis un poulet mireille, un steak saignant avec des frites, une choucroute et un cassoulet. Bien, monsieur Guignol. Voilà, monsieur Guignol. Bon appétit. Miam, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est très bon. Ouh, je n'en peux plus. Alors, monsieur Guignol, je vous donne un petit fromage, un dessert. Non, 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 rien, j'ai fini. Pas de fromage, pas de dessert, pas de café, pas d'addition.